Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu les amis. Là, nous allons jouer à Batman. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, il fait bon, il fait chaud. On va tester le jeu à chaud. Donc voilà, oui, toi qui es derrière toi, merci de regarder cette vidéo. Et allez, c'est parti. Je me suis dit, on va tester un nouveau jeu, Batman. Bon, bah, je vais faire pas mal de choses. Pas mal de jeux avant l'O3 parce que je sais qu'il y aura encore plein de nouveautés à l'O3, ça c'est sûr les amis, et j'ai hâte d'y être. Donc voilà, donc là je me suis dit on va tester Batman. Évidemment, on avait bien compris, on a besoin des PS Move pour jouer à ce jeu, je crois. Alors mettez-vous champ de vision. Alors veillez de champ de vision, j'y suis pourtant, bordel, j'y suis. On recule, on avance, on recule, on danse, on fait quoi? Champ de vision. Attendez, alors, bah ouais, et, ah là c'est bon les amis, allez c'est parti à chaud comme ça, nous allons tester le jeu. Alors je vais bien calibrer, mettre la caméra, et normalement, ah ouais, quand même. Hors de l'espace. Ah, là c'est bon. Donc, attendez, je regarde. Ok. C'est la deuxième fois que j'utilise les moves, hein, je vous le dis. Parce que il n'y a pas encore pas mal, beaucoup de jeux qui utilisent les moves. Donc, apparemment, c'est vraiment. Comment vous dire ça? Ça prend les mouvements en HD. Donc on peut faire pas mal de choses, vraiment les mouvements qu'on fait d'habitude. Alors, debout, assis, debout, assis, assis, debout, assis. Allez, comment je fais? Je sais même pas les amis, quand on, allez, je crois que c'est là. Appuie, on va y arriver. Assis, debout, assis. Alors, continuez. Ok, je crois que c'est là. Ah, je prends jamais le temps de lire les choses en fait. C'est pour ça que. Alors, continuez. Pourquoi on a toujours des jeux, des bons jeux en anglais? Regardez ça, les amis. Regardez ça, on se croit vraiment. Je sais, je connais pas bien le comment vous dire, je connais pas bien l'univers de Batman, mais je suis dans une sorte de box, une sorte, c'est pas une boîte, mais c'est un truc bien fermé. Et quand on regarde en l'air, nous voyons vraiment l'immensité, encore une fois, de la réalité virtuelle, hein, les amis. L'immensité de ce qui, c'est ça que je trouve dingue, c'est quand on regarde l'écran, ça a l'air plat. Mais quand on met la réalité virtuelle, les amis, c'est comme si vous rentrez dans un autre monde, quoi. Alors, hop. Calibration complete. Recalibrate at any time by holding the start button. Ah, je suis chaud là. Je vous jure, les amis, ça me fait plaisir de tester Batman. Ça me fait vraiment plaisir de tester avec vous. Au moins, si ça vous intéresse, l'acheter, il coûte que 19,99€, donc c'est pas encore trop cher pour un jeu de cette envergure là, même si c'est un jeu à court terme, il est vraiment vraiment bien. Ah, allez, waouh, ah, regarde, wouh, je vous jure les amis, on se croit vraiment dans la ville, c'est quoi la ville, la ville Arkham, je crois que c'est ça, comme dans le titre, Batman Arkham VR. Donc, regardez, c'est. On a envie de s'avancer. Donc là, nous avons l'hélicoptère qui est là. Tout au loin là-bas, nous avons une sorte de pub. Là, nous avons évidemment, pour tous les fans qui connaissent Batman, la projection de la souris qui apparaît dans le ciel. Et là, nous avons. Ballon, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Non, laisse tomber, c'est franchement les amis, c'est top. Allez, on arrête de parler, ce qu'on veut, c'est jouer. C'est top les amis. Allez, on fait quoi? Par contre, alors, appuyer, ok. Chargement. Ah,
Ça faisait longtemps que j'ai pas testé, ça fait une semaine que j'ai pas testé un jeu en VR. Mais là les amis, je suis super content. Oh, c'est dingue ça quand même. C'est vraiment dingue. J'ai même flippé tellement que ça avait l'air tellement réel. Regardez ça. On peut s'abaisser, on peut reculer un petit peu. Oh là là là. Mais elle a l'air d'être géante. En fait, quand on est dans, avec ce jeu-là, j'ai l'impression qu'à un moment, ah non, je suis encore petit. C'est pour ça que je vois mes. Apparemment, je crois que c'est ses parents. Je me suis dit, merde, je suis bien petit comparé à eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'avancer. Regardez, ce qui est magique aussi, c'est. On peut regarder un petit peu. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oh merde! Non! What the fuck? Mais what the fuck? Oh merde! Attends, j'ai mes moves là, t'as pas le droit. J'ai. See that kid? Oh merde! That's what happens when you try to be a hero. Wow! Ah, ça nous met directement dans l'ambiance, ça j'adore ça. Oulala. Vous voyez, on peut prendre, on peut écouter, reposer. Ah lui c'est le fameux mec qui le suit tout au long de ses aventures. Regardez ça les amis, on peut se retourner. Grand or otherwise. C'est fou. C'est fou comment les gens arrivent à. Qui aurait cru que quand j'étais petit, j'aurais eu la VR chez moi qui me permet de partir dans un autre monde, hors de ce monde qui vient. C'est vraiment un monde taré. Very good, sir. Alors, la clé. Elle me sert à quoi cette clé? Tu parles anglais, je comprends rien du tout. Alors. Non, c'est pas. Allez, faut que je réfléchisse là. Ah, regardez ça. Allez. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais! J'ai l'impression que. Vous voyez? Quand on descend. Wow! Ah, c'est bien ça! Là, nous avons apparemment son costume. Vous avez vu, c'est vraiment comme si. Les moves, c'est comme si on était encore un peu plus dedans. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, c'est bon. Attends. Ah, ok, c'est bon, je l'ai mis. C'est top, les amis. Ah, je suis content. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, attendez. Ouf! Merde! Vous avez vu? Attendez, faut que je tire en même temps. C'est pas évident pour. Attends. Ah, c'est bon, tout à fait. Ah, c'est bon. Ok, d'accord, c'est bon. Donc là, nous allons voir son fameux masque. Oh là là, c'est. Ah, c'est bon. Excusez-moi s'il y a eu. Pendant cette vidéo, il y a des petits bugs. Genre, je suis trop loin. Vous voyez, les amis, c'est vraiment. Alors. Calibration complete. Vous voyez, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est toujours. Même si les accessoires coûtent vachement cher, mais c'est toujours bien de les avoir. C'est toujours bien de les avoir parce qu'au final, si vous jouez avec la manette, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil, quoi. Alors, donc, apparemment, on apprend à utiliser. Alors. Ok. Ah, j'ai pas l'habitude, moi. Certaines fois, j'utilise vraiment les moves de cette façon-là. Please scan target. Calibrating diagnostics. Alors. Ok. Téléchargement. Ah, c'est bien. Si les téléchargements des jeux. Si les téléchargements des jeux étaient aussi vite, ça serait. Batterings. Ready for deployment. Alors, aerodynamically designed vous voyez, rapid flight and high impact. C'est limite, j'y suis quoi. Calibrating, targeting.
Je sens que je vais lancer. Je sens que je vais lancer, les amis. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. C'est beau, c'est beau. Vous avez vu? C'est dingue ça quand même. Oh là là. Batarang targeting calibrated. Allez, on continue. Batsuit calibration. On s'arrête pas sur cette belle lancée avec Batman. Regardez les amis, on est vraiment dans son sous-sol personnel. Donc je suis Batman, évidemment, c'est pour ça que on voit tout ce qui se passe avant ces missions. Regardez ça, on descend tout en bas. C'est comme son métier quoi. Regardez, oh là 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 là. C'est dingue. Et pourtant, je ne couche pas, mais mon corps a l'impression de descendre. Je ne sais pas comment vous dire cette sensation-là. C'est juste magique, les amis. Et je suis un petit peu la réalité virtuelle. Et apparemment, ils commencent à créer des gants qui permettent vraiment de sentir les textures. Le jour que ça sortira, les amis, croyez-moi que ce jour-là... Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Ça c'est beau ça! Ça c'est beau ça les amis! Oh là 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 là! Qu'est-ce que je kiffe la réalité virtuelle! Mais pourquoi je suis dans l'art de l'espace? Ah c'est bon! Ça c'est beau ça les amis! Excusez-moi si ça gâche! Waouh waouh waouh! C'est pas vrai! Dieu existe! Dieu existe! Sans bon rêve. On dit que Dieu nous a créé à son image. Vu ce qu'on arrive à faire maintenant, c'est plutôt nous, on a créé Dieu à notre image. Oh, c'est dingue. C'est vraiment bien fait, les amis. Pour un jeu à 19 euros. Pour un jeu à 19 euros, c'est vraiment bien foutu. Regardez, on est vraiment dans les entrailles de son QG. I'm afraid I have news. Robin brought in yet. Non, franchement les amis, c'est top. Qu'est-ce que tu essaies de me dire toi? Ok. Bah en même temps, vous parlez en anglais les gars, j'étais à l'école, mais bon, j'étais au fond de la classe moi, donc si on m'aurait mis la réalité virtuelle à l'école, j'aurais été là des premiers de la classe, je serais même devant la classe. Ça aurait été moi le prof. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas ça. Attends. Mais c'est chiant ça. Thank you.
Easy, easy. Merde. Merde. Bah pourquoi? Ah, c'est du rouge, j'ai pas. Allez, dépêche. Bah excusez-moi les amis, je suis nul. Je suis pas encore Batman. J'ai encore un peu de mal, le temps d'adaptation, c'est vraiment c'est pas très évident. Hors de l'espace de. Hein, on va reculer. Voilà. Évidemment, alors. Terminé. Okay. Simulation ended. Tu m'aides pas non plus, toi non plus. Hein. Ok, on y retourne. Alors. Ah ouais, faut, ah, maintenant il faut que j'aille là-bas. Ok, allez. Ah, ouh. Welcome. Alors. Please select vehicle. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Coordinates. Allez, là nous allons monter dans sa fameuse voiture. Les nouvelles, elles vibrent. Sir, you're nearing Master Grayson's tracking beacon. Have you found him? Oula. Regardez ça. Il manque plus que les gouttes d'eau qui tombent sur nous et c'est pas. Et là, franchement. Ah merde. Death. Why wasn't I here? Why didn't I stop it? Data recorder detected. I need to find out who did this. Analyzing Nightwing with the forensic scanner will help me identify the killer. Attendez, je mets. Non, je descends. Là. Multiple trauma. Cause of death, cervical fracture. They broke your neck. You must have been in agony when you died. Downloading suit data recorder. Generating reconstruction. You were the best fighter I ever trained. How did you? If I can identify the precise moments when your three main injuries occurred, it might help me establish your killer's identity. I can use the forensic scanner to analyze the reconstruction. Reached beginning of reconstruction. That's not it. Reached beginning of reconstruction. Oh wait, okay. No injury found. Nothing here. I need to study the points when you were injured.
beginning of reconstruction. Nothing. I need to identify when your injuries were sustained. Ok. En fait, là, il faut qu'on voit ce qui se passe, en fait. On essaie de voir, de reconstituer. Ok. C'est qui ce mystérieux personnage? Non! Oh putain, il est mort. Ça y est, il est mort. Il est mort. Reached end of reconstruction. Il est mort. Oh voilà. Bon les amis, moi je vais vous laisser sur cette vidéo de test. Hein. Je vais vous laisser sur cette vidéo de test. Merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, moi ça me fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Salut les amis, ciao ciao. Moi je vais juste continuer la partie. Et excusez-moi de ne pas vouloir vous spoiler le jeu jusqu'à la fin. Ciao ciao les amis. Allez.